vous allez bien, que vous passez un bon début de dimanche. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, vous savez que je suis obligée de retourner cette vidéo. Je l'avais tournée il y a un moment et elle était censée sortir sur ma chaîne il y a un moment également. Mais impossible de récupérer mes rushs. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'arrive très très souvent, que je suis maudite sur ce plan-là. Donc c'est vraiment très très chiant. Donc je voulais retourner dans tous les cas, puisque évidemment c'est la seconde partie de ma vidéo sur la Wicca. Je ne pouvais pas me permettre de vous laisser en plan comme ça, hein, parce que je vous ai donné des informations et je n'en ai même pas rajouté, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de ma vidéo sur la Wicca. Aujourd'hui je vais vous parler des différentes célébrations, des différentes déités que l'on va vénérer dans la Wicca plus en détail. Et je vais vous parler notamment des outils qu'on va utiliser, notamment certains que je pense vous connaissez tous. Donc écoutez, c'est parti. Donc pour cette vidéo, j'ai utilisé les mêmes livres que la précédente vidéo, c'est-à-dire La Wicca de Scott Cunningham, le livre de la Wicca de Lucy Summers et le livre Wicca de Harmony Nice. A nouveau, tous les liens seront en barre d'infos, donc si vous souhaitez vous procurer les livres, vous aurez juste à cliquer sur la barre d'infos. Maintenant que c'est fait, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais d'abord, pour commencer, vous parler des divinités que l'on vénère dans la Wicca. Je vous l'avais probablement expliqué dans la première vidéo, c'est une religion qui est basée sur deux divinités, le dieu et la déesse, qui vont être représentées par plusieurs divinités de différents panthéons, mais ça dépend des différentes branches de la Wicca, je vous l'avais également expliqué. Je vais vous parler en général de ce que représente la déesse et de ce que représente le dieu, et honneur aux femmes, je vais commencer par la déesse. Donc pour les Wiccans, la déesse est ce qu'on appelle la mère universelle, c'est-à-dire que c'est la mère de nous tous. Elle est donc source de fertilité et de sagesse. Et comme la trinité lunaire, elle va donc être représentée par les trois formes de la vie, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. Et évidemment, comme c'est une femme, ça va donc être la jeune fille, la femme adulte et la vieille femme. Donc chaque aspect de la déesse sous sa forme triade va représenter quelque chose. La jeune fille va représenter tout ce qui va être innocence. La femme adulte va représenter la fertilité. D'ailleurs très souvent elle est représentée comme femme enceinte. Et la femme âgée va représenter la sagesse, la connaissance. Donc la déesse elle est très très souvent représentée par la lune. D'ailleurs on dit déesse lune. Et elle est donc très souvent représentée par la triade lunaire. Je vous mettrai un symbole juste là de la triade lunaire, ce qu'on appelle la triple lune, avec donc la lune croissante, la pleine lune, et la lune décroissante. Et dans le même principe, la lune croissante va représenter la jeune fille, la lune pleine, la pleine lune va représenter donc la femme adulte, cette femme enceinte, et la lune décroissante, c'est donc la lune qui va vers la mort, et donc c'est la femme âgée. Alors le dieu, il faut savoir que sous sa représentation wiccane, c'est-à-dire sous sa forme solaire, le dieu est représenté en réalité depuis très très longtemps sur la terre via diverses croyances, cultures. C'était notamment par exemple le cas chez les Mayas, ces cultures mayennes en fait croyaient énormément en une déité solaire et ils vénéraient donc le soleil. Je rappelle que même si le dieu est en réalité vénéré depuis bien plus longtemps sur la terre que la déesse, il faut savoir que dans la religion Wicca, pardon, ils sont sur le même piédestal, ils sont au même niveau. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, ce n'est pas une religion féministe qui met la femme plus en avant ou quoi que ce soit. Ils sont égaux, ils sont sur le même piédestal, ils se complètent et ils ont besoin l'un d'eux. Dans les différentes représentations, le dieu, on l'aperçoit le plus souvent sous sa forme de ce qu'on appelle dieu cornu, c'est-à-dire donc sous la forme de Pan ou de Cernunnos. Et comme il est représenté sous la forme d'un dieu à cornes, les ignorants, on va dire, ont tendance du coup à faire un énorme amalgame entre le dieu cornu et Satan. Et je le rappelle, si je ne l'ai pas dit dans ma vidéo, nous ne croyons pas en Satan, puisque pour croire en une déité maléfique, il faudrait partir du principe que le dieu et la déesse sont purement bons, et ce n'est pas le cas dans la Wicca. Dans la Wicca, on croit en cette énergie du yin et du yang, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité, et par conséquent, le dieu et la déesse ont de l'obscurité comme ils ont de la lumière. Il y a plusieurs manières de célébrer le dieu et la déesse, et si vous voulez, sans forcément chercher très très loin, vous pouvez tout à fait le faire
simplement en réfléchissant aux différentes représentations, aux différentes associations du dieu et de la déesse. Par exemple, la déesse est une déesse qu'on appelle lunaire. Donc, par exemple, méditer sous la lune est une très bonne manière de célébrer la déesse. De même, le dieu est un dieu solaire, donc si vous voulez prendre un bain de soleil, c'est tout à fait possible et c'est une manière pour vous de célébrer le dieu et la déesse. Il faut savoir que dans la Wicca, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de diktat, on ne vous dit pas faites ceci, c'est la bonne manière de faire, puisqu'il y a tellement de branches possibles qu'en réalité, il n'y a pas forcément de règles. Le deuxième point que l'on va aborder, c'est ce qu'on appelle la magie, puisque je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo. La Wicca est ce qu'on appelle, par son histoire, la religion des sorcières, mais aussi également parce que beaucoup de pratiquants pratiquent la magie. Alors, qu'on s'entende, je vais parler ici de magie naturelle et pas de magie surnaturelle. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler de petits sorciers qui sont dans une école et qui balancent, des sorts avec des baguettes, et qui vont balancer des boules de feu. Non. Mais alors, quelle est la différence entre la magie naturelle et la magie surnaturelle? C'est très simple. La magie naturelle ne va pas transformer la réalité, l'espace-temps. Elle ne va pas transformer une personne en table. C'est pas possible. Elle ne va pas modifier un objet. La magie naturelle, en fait, va se baser sur l'énergie de la nature, tout simplement. En fait, on va utiliser toutes les différentes énergies qui sont présentes dans la nature et on va faire également appel aux différentes énergies du dieu et de la déesse. Donc, dans son livre La Wicca, Scott Cunningham l'explique très très bien. Il explique qu'il y a trois différentes forces d'énergie de magie. Vous avez ce qu'on appelle la force personnelle, qui est donc l'énergie que vous allez insuffler dans votre sort, dans votre rituel. Vous allez ensuite avoir ce qu'on appelle la force naturelle, c'est-à-dire la magie naturelle, la force des éléments. Et ensuite, vous allez avoir la force du dieu et de la déesse, la force des divinités. Alors, pour la pratique de la magie, il y a des jours qui sont plus propices que d'autres, des célébrations même qui sont plus propices que d'autres. Par exemple, si vous voulez faire ce qu'on appelle un sort de bannissement, alors ça ne va pas être quelqu'un qui va être envoyé au cachot et qui va disparaître de la surface de la Terre. Un sort de bannissement, pour parler de manière vulgaire, c'est permettre à une personne de n'être moins présente dans votre vie. Voilà, en gros. Et si vous souhaitez faire un sort de bannissement, par exemple, le moment le plus propice, ça va être la nouvelle lune, puisque ce sont les énergies de la nouvelle lune qui sont les plus adaptées à ce type de sort. Je vais vous parler maintenant des outils magiques, puisque vous vous doutez bien que il faut certains outils. Alors, vous pouvez tout à fait pratiquer votre magie naturelle sans outils, mais les outils vont avoir une fonction particulière qui vont vous aider davantage. Dans la liste que je vais vous donner, déjà, il faut savoir qu'elle est non exhaustive et que beaucoup de Wiccans n'utilisent pas tous ces objets, moi la première. Et également, il y a beaucoup d'objets que vous connaissez par le folklore et l'imaginaire collectif. Je vais parler de balais, de chaudrons, de baguettes et de boules de cristal. Donc on va commencer par le balai, par exemple. Alors non, le balai ne nous sert pas à voler au-dessus des maisons sous une pleine lune éblouissante, mais plutôt à balayer votre espace que vous voulez sacrer pour en le fait enlever les différentes énergies. Comme si vous nettoyiez en fait un tableau blanc de toutes ces écritures de stabilo. Alors la baguette, elle ne va pas jeter des sorts. La baguette va vous servir déjà à améliorer votre invocation au dieu et à la déesse, mais surtout à diriger les différentes énergies que vous voulez avoir présentes dans votre cercle, dans votre endroit sacré. Et je pense que c'est de là que vient cet imaginaire collectif qu'on peut jeter des sorts par la baguette, puisque comme vous allez diriger l'énergie avec la baguette, peut-être que beaucoup de gens ont vu ça comme ça. Vous avez ensuite l'encensoir. Alors l'encensoir, je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble, je vous mettrai une photo juste là. C'est un objet que moi, personnellement, avant de découvrir ce qu'était la Wicca, les pratiques magiques, etc. C'est un objet que j'ai beaucoup vu, pardon, utilisé dans les églises chrétiennes. Alors, je ne sais pas si je l'avais précisé dans l'autre vidéo, mais j'ai plus ou moins une éducation chrétienne. Alors vraiment, plus ou moins. C'est-à-dire que ma grand-mère paternelle est chrétienne. Et j'ai passé beaucoup de temps avec elle à l'église, à la messe. Je n'ai absolument pas fait de catéchisme, mais j'ai été baptisée. Et du coup, j'ai une bonne connaissance de la religion chrétienne. Alors, je ne connais pas la Bible, mais je sais plus ou moins comment, par exemple, se passe une messe. Et je sais que dans certaines processions religieuses chrétiennes, les prêtres utilisent des encensoirs. Ça, si jamais vous avez du mal à visualiser la chose, vous avez une scène
dans le film Notre-Dame de Disney. Alors je sais, c'est un exemple tout pourri, mais vous avez une scène où vous avez un des prêtres dans l'église de Notre-Dame, dans la cathédrale de Notre-Dame, qui utilise un encensoir. Et donc, ça a la même fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'encens à l'intérieur, et le but ici est donc de purifier l'air. Alors, on va ensuite parler du chaudron. Alors, le chaudron, oui, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour faire des potions magiques. Grand bien vous fasse, mais on va exclusivement presque l'utiliser pour brûler des choses à l'intérieur, puisque comme c'est en général un chaudron, ça c'est fait en fait de manière protectrice de la chaleur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des choses qui brûlent à l'intérieur, parce que c'est fait en fonte, c'est fait en métal, etc. On va avoir tendance à brûler des choses à l'intérieur. Ça peut être de l'encens que vous faites vous-même avec différentes plantes. Ça peut être des papiers qui font partie d'un rituel, etc. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser pour ça, hein. Vous pouvez par exemple le mettre de l'eau à l'intérieur avec des fleurs pour une célébration, par exemple, je ne sais pas, ou de l'Ita pour le solstice d'été, etc. Ensuite, vous avez deux types de couteaux qui sont utilisés dans la Wicca. Vous avez ce qu'on appelle le couteau à manche noire, le couteau magique, ou plus communément appelé l'atamé. Alors, l'atamé, c'est un couteau qu'on va appeler magique parce qu'il va être exclusivement rituel. C'est-à-dire que vous n'allez pas l'utiliser en dehors. L'atamé, en fait, il va vous servir comme la baguette à diriger les énergies, mais il a une petite particularité en plus, c'est que en fait le manche noir va absorber l'énergie que vous allez diriger pour être réutilisé plus tard. Le couteau à manche blanc, en revanche, qu'on va appeler également boline, c'est un couteau que vous pouvez utiliser pour tout un tas de choses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser pour couper vos plantes à l'extérieur, pour couper des fruits, pour graver des choses sur du bois, sur des chandelles, etc. Ensuite, vous avez la boule de cristal. Bon, alors là, c'est très très simple. C'est comme dans l'imaginaire collectif, la boule de cristal, c'est pour la divination. Ensuite, on a ce qu'on appelle la coupe ou calice. Alors, c'est très simple, c'est ce qui va contenir votre boisson rituelle dans votre rituel, puisque pour certaines célébrations, notamment les grandes célébrations païennes, ce qu'on appelle les sabbats, vous avez ce qu'on appelle un repas rituel ou une boisson rituelle. Alors, tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'a pas de calice chez soi, mais voilà, ça en fait partie. Ensuite, vous avez un pentacle. Alors, il me semble que dans la première vidéo, je vous avais parlé de cette différence du pentagramme et du pentagramme wiccan et du pentagramme sataniste. Je vais juste refaire un petit récapitulatif parce que ce n'est jamais mauvais de rappeler ce genre de choses. Le pentagramme, c'est ceci. Et le pentagramme sataniste, c'est ceci. La différence est que le pentagramme sataniste va représenter le bouc qui serait la représentation du diable. Vous avez donc les cornes, les oreilles et le bouc. Et le pentagramme, en revanche, lui représente les quatre éléments et la pointe du dessus représente l'esprit. Le pentacle, c'est donc le pentagramme entouré d'un cercle. Et le cercle, lui, va représenter le cycle de la vie, le cycle de la nature. Et quand il va être sous la forme du pentacle, ça va être un symbole de protection, puisqu'il va joindre tous les éléments en même temps. Alors, en général, le pentacle dans votre pratique rituelle, ça va être quelque chose qui va être plat, comme par exemple bah, un plat en bois, en métal ou quoi que ce soit. Bah, là, par exemple, j'en ai un que j'ai eu dans ma box Witch Casket. D'ailleurs, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à me suivre sur Instagram, puisque je fais des unboxings chaque mois d'une box qui s'appelle Witch Casket et qui contient donc tout un tas d'objets pour votre pratique de sorcière. Et donc, par exemple, typiquement, voilà, le pentacle, ça va être ça. Alors, moi, je vais personnellement l'utiliser en tant que dessous de verre, puisque pour moi, il est trop petit parce qu'à mon sens, un pentacle vous permet donc de poser des choses ou de les consacrer, c'est-à-dire de purifier véritablement l'objet que vous allez mettre dessus pour l'utiliser à des fins rituelles uniquement. Et donc là, on peut difficilement mettre beaucoup de choses. Donc l'idée pour moi, c'est d'avoir un grand pentacle. J'aimerais personnellement avoir un grand pentacle en bois que je pourrais graver et surtout faire main. Mais voilà, c'est à peu près à ça que ressemble le pentacle dans des outils, enfin dans des objets, pardon, rituels. Alors ensuite, on va avoir le livre des ombres et ou grimoire.
Il faut savoir que beaucoup de Wiccans et de sorciers font la distinction entre les livres des ombres et les grimoires. Mais quelle est la différence, me direz-vous? Eh bien, le livre des ombres, ça va plus être une sorte de journal de bord où vous allez noter votre pratique, par exemple vos, je sais pas moi, vos recettes de potions ou par exemple aujourd'hui j'ai tenté de faire telle chose, etc. Vos expériences, voilà. Et le grimoire, ça va plus être solennel, factuel. Vous allez vraiment noter comme si en fait le livre des ombres était un brouillon et le grimoire était la version finie. Vraiment, je vulgarise les choses, mais c'est pour que vous essayiez de comprendre. Beaucoup de personnes qui font la distinction entre les deux pensent que du coup le grimoire doit être transmis de génération en génération. Et d'ailleurs, normalement, vous n'êtes pas le seul à noter dans votre grimoire. Si par exemple vous avez une famille de Wiccans, chacun vont noter des choses factuelles donc, dans ce grimoire-là. Et pour vous donner un exemple, le livre des ombres qui est représenté dans Charmed est en réalité un grimoire, puisqu'on nous apprend que, évidemment, toutes les informations sur les démons sont notées à l'intérieur, mais que toutes les sorcières de la famille ont noté des informations dans ce grimoire-là, donc dans ce livre des ombres-là. Donc, dans Charmed, ce serait plus un grimoire qu'un livre des ombres. Mais c'était pour vous donner un exemple. Et ensuite, la dernière chose, le dernier outil, si on peut dire, ça va donc être l'autel. Alors, l'autel, comme par exemple un autel chrétien, c'est donc une surface sur laquelle vous allez poser des outils rituels. Alors, vous avez plusieurs types d'autels. Vous allez avoir par exemple ce qu'on appelle l'autel permanent, que vous allez avoir donc en permanence chez vous. Ça peut être dans votre chambre, ça peut être dans votre salon, enfin bref, peu importe. Et donc ici, vous allez appliquer par exemple des choses qui vont représenter ce qu'on appelle une saison, un sabbat. Donc par exemple, là, vous avez Halloween qui arrive, que nous appelons Samhain, mais j'y reviendrai après, et qui du coup a différentes correspondances, différentes couleurs, différentes représentations au niveau de la nature, etc. Et donc vous allez pouvoir le changer selon les différents sabbats. Vous avez votre autel que vous utilisez pour votre pratique rituelle, et donc dans ce cas-là, vous allez l'intégrer dans ce qu'on appelle un cercle que vous allez tracer lors de votre rituel pour vraiment faire une délimitation de votre espace sacré et vraiment purifier cet endroit en particulier. Et vous avez aussi ce qu'on appelle un autel de voyage. Pour ma part, j'ai pas la chance d'avoir un hôtel permanent puisque je ne vis pas encore chez moi. Je vis chez mon père. Alors, à terme, quand je vivrai dans mon propre chez moi, j'aimerais avoir un hôtel permanent, mais tout dépend de la place. Pour l'instant, j'ai ce qu'on appelle un hôtel de voyage puisque tous mes outils rituels sont actuellement dans une grosse valise en cuir que je vous montrerai à l'occasion. J'aimerais vous faire une vidéo où je vous présente ma valise rituelle. Et donc, je peux l'emmener en voyage avec moi. Et l'avantage, c'est qu'une fois que je sors tous mes objets, je peux utiliser ma valise comme elle est assez dure en tant qu'hôtel. Donc, j'ai forcément oublié des choses dans cette liste. Il y a probablement des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont une pratique particulière et qui ont utilisé des choses différemment. Mais voilà, c'est pour l'instant, pour moi, ce qui me semble le plus général. On va maintenant parler d'un sujet qui est très important pour beaucoup de Wiccans, c'est la réincarnation. Beaucoup de Wiccans croient donc en la réincarnation. On ne croit pas en une réincarnation en fleurs, en plantes, en arbre ou quoi que ce soit, puisque même si on pense que la nature a une âme, elle n'est pas similaire à celle des humains. Ce n'est pas une âme humaine et donc par conséquent, on ne va pas se réincarner en humain. Mais on croit que quand notre corps disparaît, notre âme, elle, subsiste et alors, il peut s'écouler un certain temps avant que notre âme retrouve un corps. Mais en général, je vous parle pas d'expérience, mais voilà, en général, on se réincarne en une autre personne. Et beaucoup de personnes qui du coup croient en la réincarnation travaillent sur leur vie antérieure, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à apprendre quelles ont été leurs différentes vies antérieures avant celle-ci. On va maintenant parler des célébrations païennes. Alors, on va faire la distinction entre ce qu'on appelle les sabbats et ce qu'on appelle les esbats. Je vais d'abord vous parler des sabbats. Les sabbats, ce sont 8 grandes célébrations qui sont célébrées tout au long de l'année. On appelle ça par exemple la roue de l'année, puisqu'elle va vraiment faire un cycle, tout va recommencer encore et encore. Et la distinction avec une personne athée, c'est que, mais même une personne chrétienne d'ailleurs, je suis en train de songer, c'est que pour nous, les Wiccans, le nouvel an se fait dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre.
lors de la nuit de l'Halloween de Samhain. Donc la première célébration de l'année ne va pas être donc Samhain puisqu'il s'agit de la dernière, mais Yule qui a lieu aux alentours du 21 décembre. Alors je dis aux alentours du 21 décembre parce que beaucoup des célébrations païennes sont en fait basées sur la lune, comme par exemple le Ramadan musulman. Les dates peuvent changer en fait selon les années. Ça peut être par exemple le 21 cette année, mais l'année prochaine ce sera le 22. Puisqu'en fait ici il s'agit donc du solstice d'hiver. Alors Yule, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans Harry Potter. Alors je sais, je parle beaucoup d'Harry Potter, mais il y a énormément de choses dans ces films qui font écho à différentes célébrations païennes, notamment par exemple Yule. Puisque dans Harry Potter, il y a donc ce bal d'hiver qu'ils appellent en anglais Yule Ball, qui est donc le bal du solstice d'hiver. Alors, dans la légende Wiccan, Yule correspond à la naissance du dieu par la déesse. Les jours sont plus courts que la nuit, pardon, mais c'est la renaissance de l'astre solaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une période d'espoir. On sait qu'on arrive dans une période très sombre, puisque les jours, au final, sont les plus courts, mais on a l'espoir, puisqu'on sait que comme le dieu renaît, on sait qu'il va revenir, donc l'astre solaire va revenir, et comme à l'époque, beaucoup de ces célébrations qui ont principalement des origines païennes, celtes, etc., tout ça était basé en fait sur l'agriculture à la base. Et comme on sait que l'astre solaire refait surface, on sait que derrière il va y avoir la fonte des glaces et donc le renouveau de l'agriculture, et donc à nouveau ça va être une période de pleine abondance au niveau de la nourriture. Alors au niveau des traditions, à l'époque il était donc tradition d'allumer des feux de cheminée et surtout d'allumer ce qu'on appelait la bûche de Yule, qui ensuite est donc devenue à la bûche de Noël. Alors, cette célébration va peut-être faire écho dans vos oreilles à une célébration très connue de la chrétienté qui est donc le 25 décembre, c'est-à-dire la naissance du Christ. Il faut savoir que cette fête de Yule était en réalité célébrée depuis bien plus longtemps sur Terre par les Celtes, donc bien avant la naissance du christianisme. Et donc forcément, quand le christianisme est arrivé sur nos terres, il a fallu évangéliser ces personnes-là et il était coutume, du coup, de transformer leurs coutumes, du coup, et de les remettre à leur sauce. Et donc, on leur a expliqué que Yule devenait donc le 25 décembre et la naissance du Christ. Ensuite, en février, nous avons donc Imbolc, qui a lieu le 2 février. Imbolc est également appelé fête des flambeaux, fête de Pan, jour de Brigide et Chandeleur. Alors, oui, Imbolc et la Chandeleur. Puisqu'il faut savoir que la Chandeleur, à la base, c'était ce qu'on appelait donc la fête des chandelles. Puisqu'il était coutume à Imbolc d'allumer tout un tas de chandelles. Puisque les chandelles étaient censées donner de la force aux dieux, puisque la déesse, elle, se rétablit petit à petit de cet accouchement, et le dieu, lui, commence à grandir et à gagner de la force. Les jours rallongent, et donc le soleil commence à gagner du terrain sur l'obscurité. C'est donc une fête de la lumière, de la fertilité, et donc, voilà, il était coutume d'allumer tout un tas de chandelles. D'où, du coup, la chandeleur. Ça n'a absolument rien à voir avec les crêpes, oui. Ensuite, nous avons l'équinoxe de printemps qui arrive aux alentours du 21 mars et nous l'appelons Ostara. En équivalent, on pourrait y rapprocher du coup Pâques. Et donc à ce moment-là, la déesse sort complètement de son sommeil, elle est rétablie et elle étend toute sa fertilité sur la terre. Et c'est pour ça que c'est le début du printemps. Le dieu, lui, continue à grandir et il commence à atteindre sa maturité. Les jours sont à égale durée avec la nuit. Et alors, je l'ai rapproché de Pâques pour les différentes représentations qui représentent du coup Ostara. Ostara, à nouveau, c'est une célébration qui est bien plus ancienne que Pâques, puisque Ostara a une origine germanique et était notamment célébrée à cette période-là la déesse Éostre, donc dans les coutumes germaniques, qui était donc la déesse du printemps. Et cette célébration est représentée par l'œuf. Alors je ne vous parle pas d'œufs en chocolat, puisqu'à l'époque, c'était surtout des œufs de poule en fait. Et donc en fait, l'œuf représente forcément la fertilité, puisqu'à la base, et bien évidemment, c'est un petit œuf qui a à l'intérieur un poussin. Et il est notamment représenté aussi par les lapins. Puisque les lapins, c'est la représentation même du printemps, déjà par l'énergie sexuelle qui s'en dégage, mais aussi
parce que la neige a fondu, la nature renaît et c'est à ce moment-là que les lapins sortent de leur terrier. Et donc forcément, aujourd'hui, ça vous fait écho au Pâques que vous connaissez avec ses représentations de lapins et d'œufs de Pâques. Entre la nuit du 30 avril et du 1er mai, vous avez ensuite du coup la fête de Beltane. À ce moment-là, le dieu a bien grandi, il est devenu un homme et il commence à désirer la déesse. Ils finissent par tomber amoureux et par faire l'amour. La déesse tombe donc enceinte. C'est donc une grande période de fertilité, évidemment. Et il y a beaucoup de ce qu'on appelle de hand fasting qui ont lieu à cette époque-là, c'est-à-dire la célébration du mariage païenne, en fait, où vous l'avez probablement vu, je sais que par exemple ça a été représenté dans Game of Thrones, où ce sont des rubans, en fait, qu'on entoure autour d'une main et chaque ruban représente quelque chose. Si vous voulez une vidéo particulière sur le hand fasting, je serais ravie de vous en faire une parce que je trouve que c'est une pratique qui est très intéressante et trop peu méconnue à mon sens. Aux alentours du 21 juin, on a donc le solstice d'été que nous appelons l'Ita. L'Ita peut être rapproché par exemple de la fête de la Saint-Jean. On est sur le même principe avec des feux qu'on allume. Et donc c'est à ce moment-là que les forces de la nature atteignent donc leur paroxysme et la terre est donc saturée de la fertilité du dieu et de la déesse. Ensuite, aux alentours du 1er août, on arrive à Lugnasad qui est aussi également appelé l'Amas. Et on arrive en fait à la première récolte, à la première moisson. À ce moment-là, dans la légende wiccane, le dieu perd progressivement ses forces, puisque c'est à ce moment-là que le soleil, en fait, commence à perdre du terrain face à l'obscurité. Alors la déesse est triste de voir le dieu perdre petit à petit ses forces, mais elle sait que, en quelque part, il vit en elle par l'enfant qu'elle porte. On arrive ensuite à Mabon, qui a lieu aux alentours du 21 septembre, et qui est donc ici l'équinoxe d'automne. Donc ici, on arrive, comme pour l'équinoxe de printemps, à la même durée pour les jours et pour la nuit. C'est à ce moment-là qu'on complète les moissons et notamment on abat le bétail pour passer l'hiver. Et donc le dieu perd de plus en plus de sa force. Et ensuite nous arrivons à la dernière célébration de l'année, donc dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, qui est donc Samhain, que beaucoup connaissent sous le nom d'Halloween. Alors je vous ai fait une vidéo spéciale sur Halloween, sur Samhain, qui à l'heure où je poste cette vidéo est déjà sortie. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i. Mais pour vous la faire courte, à ce moment précis, le dieu disparaît de la surface de la terre. La déesse à nouveau n'est pas triste puisqu'elle sait que il va se réincarner en l'enfant qu'elle porte et auquel elle donnera vie en fait à Yule. Ce sont donc les adieux aux dieux et donc c'est pour ça que l'on célèbre les morts. Et ensuite, à nouveau, on recommence l'année avec Yule, Imbolc, etc. Alors, ce mythe, c'est pas un mythe d'inceste. C'est un mythe de réincarnation, de renaissance, puisque c'est une des croyances populaires dans la Wicca. Le dieu a totalement conscience que la déesse est sa mère, mais elle est également conscience que le dieu est son fils, mais qu'il est également son amant. Et c'est un mythe, donc ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les Ezba, ce sont donc les célébrations à la lune. Alors, certains Wiccans célèbrent uniquement les pleines lunes, mais vous pouvez tout à fait célébrer les pleines lunes et les nouvelles lunes. Je vais pas vous faire une. Enfin, je vais pas vous parler en détail des différents Ezba qu'on a dans l'année, puisqu'il y en a énormément. Vous vous rendez bien compte si on doit calculer toutes les pleines lunes et les nouvelles lunes. D'autant plus que chaque Ezba a une énergie différente. Après, si vous voulez une vidéo particulière sur chaque Ezba, je pourrais essayer de vous en faire une. Bah écoutez, je pense que je vous ai dit déjà pas mal de choses. Je pense que j'ai tout dit. Si vous pensez que j'ai omis des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais essayer de faire pourquoi pas une partie 3 si j'en ai oublié tant que ça. En tout cas, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Elle donc clôture ben, les vidéos sur la Wicca en général. J'espère donc que c'est une croyance et une religion qui vous a intéressé, qui vous a ouvert les yeux, appris des choses et qui a peut-être fait sauter quelques amalgames qui étaient ancrés dans la tête des gens. On se dit du coup à bientôt dans une nouvelle vidéo. On arrive donc en novembre et c'est à vous de choisir mes vidéos qui arriveront sur la chaîne tous les dimanches et ça se passe sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets mon Insta juste là et je vous ferai un sondage pour que vous choisissiez la prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah!